Good morgen, allez, Iden et aujourd'hui, le Lunishmat, le Rabbi Shmuel ben Shalom Azaman, Shmuel ben Amin ben Mazal, ainsi que l'Irfo et le Lunishmat, Rachel Rachel Batsara, ainsi que l'Irfo et Sarah ben Betirivka, Rafael Zulun ben Chalamania, Myriam Batrasida et Dov ben Yudit Vedor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions Maser Trolin, Père Exaïd Mishnah Dalet. Yarech Shinid Bachel Bagidanaché, Emiashba ben Oten Taam, Areizo Asura, Ketsad Mesharin Ota, Kebassar Balefet. Mishnah essentielle qu'on étudie longuement lorsqu'on étudie au Kollel, en général les ilchot de Taharovet, les mélanges interdits, à savoir comment calculer les mélanges interdits. Vous devez sûrement connaître que les choses s'annulent avec un 60e. C'est, tout se trouve dans cette Mishnah, dans la prochaine Mishnah, et ensuite dans le prochain Perek, on va longuement parler du mélange de Bassar Bechalav, le lait, la viande interdite. Pour le moment, on commence en douceur avec la donnée essentielle autour de quoi presque tout tourne en fait, cette Mishnah et la prochaine Mishnah. On commence avec celle-ci. Yarech shenit bashel bagid anaché. Une cuisse qu'on l'en a fait cuire avec le guide anaché, avec le nerf sciatique, on ne l'a pas retiré. On l'a laissé dedans et on a fait cuire la viande telle qu'elle. On va expliquer ensuite, mais d'abord je traduis la Mishnah. Im yashba benoten ta'am. S'il y a en elle de quoi lui donner du goût, hareizo asura, eh bien toute la cuisse, tout le flanc de l'animal sera interdit à la consommation. Ketsad mesharinota, comment on doit le calculer? Kebassav bal lefet, comme de la viande mélangée avec du lefet. Je pense que ça se traduit comme du navet ou des radis, d'accord? Un légume, en général, la vache et lefet, on parle en général que c'est plutôt des navets ou des radis épais en fait. Gros, pas les petits radis qu'on mange. Donc, j'imagine qu'on doit arriver au navet, quoi. Je reprends un petit peu le sujet. Bien sûr, on est en train de parler dans ces Mishnayot du guide anaché. Vous avez vu qu'il y a l'ombre d'Arthénois qui a donné des notions très essentielles. Il y a dans les... On parle dans notre chapitre de l'interdit de manger le guide anaché. D'accord? Le guide anaché. Pour préciser un peu mieux, on avait appris qu'il y a en réalité le guide anaché, c'est le nerf sciatique. Il y a près de l'os du fémur, il y a le muscle de la cuisse, du flanc. Il y a au milieu, bien sûr, il y a l'os, le fémur. Et à proximité du fémur, il y a là-bas un nerf qui est un interdit minatora. C'est le nerf sciatique. Et à part ça, on avait vu qu'il y a aussi un interdit, on avait évoqué qu'il y a un deuxième nerf qu'on ne mange pas, qui est interdit que midarabanan. Et il y a autour de ce guide aussi des graisses. Shumano shel guide, le gras du guide. D'accord? On l'avait évoqué dans le Mishayot. Et ça va être nécessaire, en fait, pour mieux comprendre ce qui va se passer dans les petits détails de notre Mishnah. Maintenant, ce qui se passe d'abord, pour le moment, le Mishnah nous présente le cas grossièrement. Quelqu'un, il a pris toute cette cuisse, il l'a fait cuire telle qu'elle. Il s'avère qu'en fait, on est en train de faire cuire quelque chose d'interdit avec quelque chose de permis. Or, lorsqu'on fait cuire de la viande interdite avec un légume, par exemple, eh bien, tout devient interdit, à condition, bien sûr, que la viande diffuse son goût dans l'aliment. Parce que s'il y a une quantité tellement infime que ça ne va pas diffuser de goût, alors les aliments seront permis à la consommation. D'accord? C'est la notion qui est évoquée dans notre Mishnah. Donc, je reprends encore une fois dans la Mishnah. On fait cuire la cuisse avec le nerf à l'intérieur. Et la Mishnah est bien assez simple. Si, en proportion, il y a dans le nerf de quoi donner du goût dans la viande, eh bien la viande, elle sera interdite. Et maintenant, la Mishnah, elle se conclut en me donnant une donnée bien, bien, bien précise, en me disant, attention, Keitzad Mesharinota, comment est-ce qu'on va la calculer? Parce qu'en réalité, je vous vends la mèche. Le guide anaché, ça n'a pas de goût. C'est une marque loquette, en fait. Est-ce qu'il y a un goût? Est-ce qu'il y a un petit goût? Ou il y a presque pas de goût, mais en tout cas, ça n'a presque pas de goût. Ça veut dire qu'en fait, si vous vous mettez à faire cuire une marmite de légumes, de petits pois, et vous mettez dedans du guide anaché, il y a de fortes chances que si vous donnez les petits pois à manger à quelqu'un, il ne va même pas sentir que c'était cuit avec de la viande, avec du guide anaché, étant donné que ça donne pas de goût, le guide lui-même. D'accord? C'est une discussion, en fait, on va apporter plus de précision. Je préfère le faire en plusieurs échelons. On commence d'abord, on a déjà maintenant présenté la Mishnah grossièrement. Après, maintenant, la Mishnah me dit, sache que maintenant, comment est-ce que tu vas le calculer, puisque le nerf ne donne pas tellement de goût dans le plat? Eh bien, tu vas faire kebassar balefet. Tu vas calculer comme si tu faisais cuire de la viande avec spécialement du navet. Alors là, maintenant, on va mettre le zoom sur la fin de la Mishnah. C'est, entre autres, une des choses sur lesquelles le Bartanora rallonge. Tout d'abord, de l'ordre des mélanges interdits, c'est vaste. Je ne sais pas pour où commencer en fait. On dit que les choses interdisent lorsqu'elles donnent du goût.
Eh bien, lorsqu'on ne peut pas. Il y a une halakha, la Gemara l'explique, qu'on calcule en fait ça en réalité par 1/60. Ça correspond à quoi ce chiour, cette quantité de 1/60? C'est-à-dire, si je prends une viande interdite, je la fais cuire avec des pommes de terre par exemple, eh bien, s'il y avait en volume 60 fois le plus de pommes de terre que le bout de viande, eh bien, le morceau de viande, bien sûr, je le retire, je le jette, mais j'ai le droit de manger les pommes de terre. Pourquoi? Parce qu'on va considérer qu'il y avait une quantité tellement infime, qui n'avait même pas 1/60, que ça n'a pas diffusé le goût. D'où vient cette quantité de 1/60? Eh bien, elle vient spécifiquement, c'est une halakha le Moshe Mishinaï, une transmission depuis Moshe Rabbeinu, que, en fait, on doit supposer qu'on avait une viande qu'on faisait cuire avec du navet. Pourquoi le navet et pas du chou, et pas Krouv et Kaplout, la Gemara Alevé, elle évoque? Eh bien, c'est une halakha le Moshe Mishinaï de calculer comme ça. Il est possible que si je faisais cuire avec du chou, qu'il aurait fallu beaucoup plus de viande pour donner du goût. Et si je faisais cuire avec des pommes de terre, il aurait fallu moins de viande. Mais en tout cas, on a eu une généralité de fixer toujours avec du bassar, les fêtes. La viande avec du navet. Et c'est de là que c'est sorti le 1/60. D'accord? Il y a en réalité, c'est bon à savoir aussi que le Shulchan Aruch tient pour l'alakha. Pour qu'en réalité, l'idéal serait de faire goûter à un goy qui a un palais raffiné. Et que lorsqu'il va, il va goûter, qu'il va sentir est-ce que la pomme de terre, elle a pris le goût de la viande ou non. Ça, c'était a priori, selon Shulchan Aruch, si on a la possibilité. Le Rama, il a quelques petites réserves sur ça, mais en tout cas, c'était ça l'idéal. Mais si toutefois, on ne trouve pas de goy pour faire goûter, alors dans ce cas-là, on a cette limite de 1/60 que signe Alakha al-Moshem Sinai. Maintenant, il faut savoir que malgré tout, la Mishnah, elle a parlé qu'on faisait cuire le guide anaché avec la viande. Ça, c'est pas retenu pour la halakha, parce qu'en réalité, il y a une marque dans la Gemara. Est-ce que yesh begidin menoten ta'am ou en begidin menoten ta'am? Est-ce que les gidim, est-ce que les nerfs diffusent un goût ou ne diffusent pas de goût? Pour la halakha, on retient que le nerf ne diffuse pas de goût. De ce fait, si on fait cuire même le guide anaché tel quel pour le moment, tel quel, j'enlève toutes les graisses, je le fais cuire tel quel dans la viande, après j'ai fait cuire le guide anaché, je le retire, j'aurai le droit de manger tout le reste du plat, même s'il y avait même difficilement une fois le volume ou deux fois le volume du guide anaché. C'est permis parce que le guide anaché ne diffuse pas de goût. Comme ça, on retient. Sauf, cas particulier, si on n'a pas retiré les graisses qui étaient autour du guide anaché, qui étaient autour du nerf sciatique, dans ce cas-là, elle diffuse un goût. Dans ce cas-là, il faudra calculer comme ce qu'on a appris qu'il faut avec 1/60, qu'il faut 60 fois le volume du guide anaché pour pouvoir le permettre. Donc si je l'avais laissé le guide, le nerf avec tout son, avec ses graisses. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Salam.